Bienvenue dans cette nouvelle vidéo témoignage et challenge. Je suis actuellement avec Aurélie. Donc, je te laisse te présenter rapidement. Dis-nous voilà, ton nom, ton prénom, ton âge, est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es en couple? Ouais, alors je m'appelle Aurélie, j'ai 29 ans, je suis en couple avec Pascal qui va passer après. J'ai un petit garçon de 3 ans et voilà, j'habite sur le pont. Voilà. D'accord. J'avais du coup. Donc vous avez fait le challenge en couple. En couple. En couple. Voilà. C'est plus facile. Voilà. S'il y a des couples qui sont intéressés, c'est plus facile, Aurélie le dit. Qu'est-ce qui t'a amené justement à faire le challenge Fit 21? Quand je me suis vue en photo. Quand je me suis vue en photo et que je rentrais dans mes pantalons et que j'ai pris à peu près un petit 15 kilos sur un an et demi. Donc en voyant la publicité Facebook pour le challenge, ouais. Ça t'a... Ouais. Pascal il s'est inscrit avant moi, il a été sélectionné. Et du coup, j'avais laissé mon message en disant que ce serait plus facile et que quitte à ce que lui. Moi, avec. Ouais. Donc, à deux, c'est toujours plus facile. Voilà. Donc, ouais, si vous hésitez, n'hésitez pas à suivre donc, le challenge en couple. Hein. C'est plus motivant et c'est sympathique aussi. Si tu devais retenir une chose du challenge, la chose que tu peux mettre sur la pyramide la plus haute, qu'est-ce que ça serait? Le plaisir de manger correctement. Le plaisir de manger correctement. Et des bonnes choses. Que pour toi, c'était un régime? Non, pas du tout. J'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu l'impression d'être encorvée en cuisine à faire des trucs que j'aime pas. C'est des bonnes choses, c'est rapide, c'est facile à faire. C'est bon, et même mon fils de 3 ans, il a mangé. Donc, même les enfants. Les pancakes. On peut reconvertir même les enfants, ouais, hein, ouais, il devient ouais, accro. Largement. Très bien. Qu'est-ce que. Quel est peut-être. Est-ce que tu as atteint déjà ton objectif que tu t'es fixé sur 21 jours? Ouais, sur 21 jours, ouais. Largement. Je m'étais fixé 3 kilos, donc 1 kilo par semaine. J'en ai perdu 4,5. Ouais, 4 kilos. Largement au-dessus. Mais c'est que le début. C'est que le début, tout à fait. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu plus des résultats, peut-être, ou pas? Ouais, j'ai démarré à 75,6 kg et je suis à 71,1 kg. Donc 4,5, 8 cm de tour de taille en 21 c'est jours. C'est énorme, c'est de la taille L à la taille M. C'est énorme et 6 cm de tour de hanche. Donc les pas jeans que je mettais plus. Il y a 21 jours chez les maîtres. Voilà, donc en 21 jours, elle a changé la taille de son pantalon. Ouais. Je suppose le bout du corps aussi, puisque c'est passé du aussi. L au M. Ouais, ouais. Donc rien qu'en faisant ça et en faisant pas du tout le régime ou quoi. Pas du tout. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui serait encore hésitante de participer au Challenge Fit 21? Je dirais que si quand elle se voit en photo, qu'elle se sent pas bien, si elle est mal dans son corps, si quand elle est assise, il y a le ventre qui passe au-dessus du pantalon parce que le pantalon il est trop serré. Quand elle dit bonjour, elle a un flac-flac au-dessus du bras, je dirais qu'elle peut y aller. C'est bon, c'est facile, c'est rapide et on voit vite les résultats et du coup c'est hyper motivant. Hyper motivant. Est-ce que justement l'esprit de groupe, est-ce que ça t'a justement donné un petit peu plus de motivation? Ouais, Partage avec les autres. Le partage sur Facebook, les petites recettes, les petits changements de recettes qui font que parfois on n'aime pas la recette de base et avec un petit changement ça passe tout seul, ça aide. Ouais. Parce que les recettes sont modifiables également. Vous avez un guide de recettes mais vous pouvez les modifier si vous aimez pas les mêmes types, vous pouvez mettre des fraises ou peu importe. Mais donc ça t'a convenu. L'échange, ouais, l'échange. Et les entraînements en groupe aussi. Les entraînements en groupe, c'est très. C'est beaucoup plus motivant que tout seul à la maison. Ou tout seul à la salle de sport. C'est bien. C'est super. Donc voilà, Aurélie a obtenu son. Enfin, elle a réalisé son objectif qui était donc plus qu'elle avait même voulu faire. Donc félicitations à toi, bravo. On vous remercie. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire et j'espère à bientôt dans le challenge. Salut. Salut.